C'est le but et c'est le pire ce soir. Ouais, c'est une satisfaction. On savait que ça allait être très difficile aujourd'hui. Madagascar nous a toujours mis en difficulté, mais voilà, on sait qu'à la maison, on doit se faire respecter. Aujourd'hui, on l'a bien fait. Et pas prendre le but, c'était un de nos objectifs. Et je pense que Edouard a fait un super match dans les buts. Aussi, la défense a fait un super match. Mais c'est aussi un travail de toute l'équipe. On a réussi à les presser, à récupérer des ballons hauts. Et ça a mis de la facilité derrière. C'est la première fois que vous vous retrouvez en fait à 4 depuis la Coupe du Monde, cette défense. Il fallait retrouver ces automatismes ce soir. Ouais, non, on a l'habitude de jouer ensemble. Quand on joue en sélection, quand même, on a très souvent joué ensemble. Après, voilà, on savait que ça allait être un match quand même difficile, mais le coach nous a fait confiance. On a rendu cette confiance au coach et c'était très important de ne pas prendre de but. J'ai l'impression que l'équipe a mieux joué, par exemple, par rapport au Stade Léopold Sédar Senghor et la pelouse. Qu'est-ce que vous en avez pensé du fond de jeu? Ouais, le fond de jeu a été de toute qualité. Je pense qu'on a réussi à faire une des meilleures prestations qu'on a fait depuis qu'on joue en équipe nationale, je pense. Après, je pense que cette génération aussi est une des meilleures que le Sénégal a connues, donc fallait le démontrer sur le terrain. On l'a bien démontré, voilà. Maintenant, j'espère qu'il va y avoir encore plus de buts et qu'on prendra encore moins de buts possible. Très bien, merci beaucoup.